La tête de veau. Ah voilà, une tête de veau entière. Voilà. On va les cuire, on va la changer dans un grand récipient d'eau avec une très belle garniture aromatique. On va la cuire pendant 1h30, à peu près 2h. Ensuite, on va la sortir de l'eau entière. On va la poser sur le mouvement de pan. On va l'amener dans la salle avec les légumes de la cuisson, la langue, la cervelle. Et on va découper tout ça pour les poser sur la table avec une magnifique sauce ravigote. Et pourquoi la tête de veau? Parce que depuis toujours j'ai aimé ce plat, ça a beaucoup de saveur. Et que je trouve ça un peu spectaculaire de l'amener entière. Alors évidemment, il faut une table de gourmand. Et il faut une table où on est une personne pour le tour d'une tête de veau entière. Spectacle assuré, saveur garantie et plaisir au menu pour moi. Et la table, ça peut surprendre quand on voit la tête de veau entière arriver et persil dans les promenés. Et quand on procède à la découpe, évidemment, quand on voit le squelette du crâne apparaître, il y a des gens qui se chagrinent ou surprendre. Mais les gens qui sont autour de la table, pour ça, c'est plutôt du fait. Ce sont des clients, ce sont des amis, ce sont des gens qui en ont entendu parler, du bouche à oreille, et un espèce de club de la tête de veau.